Tales of Berseria, partie 10. Déjà, hein, le temps file, comme le sable entre nos doigts. Bon, on va tout de suite passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le jeu. Alors, nous en étions où nous avions vaincu la petite, là, dont je me souviens pas le nom. J'arrive à... Voilà, alors oui, alors du coup, on a réussi à la vaincre. Hein. Je veux pas dire difficilement, mais bon, on s'y est repris à deux fois quand même. Et puis, il y a son petit Malak là. On va lui demander ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il a pensé de ce combat Parce que maintenant, elle va nous obéir. Hein. Étant donné qu'on l'a vaincu, elle va nous suivre maintenant dans notre quête. On peut même dire que c'est une amie. Hein. Ah, mais encore. Oh. エレノア様は僕がお世話するでぐよ。思い出せぐ。マヒルお姉さんも僕と契約した時、2、3ヶ月くしゃみと鼻水が止まらなくなったんでぐ。あれは春先の出来事だったでぐ。 Ah oui, très bien. Je dirais pas que je m'en fous. Mais presque. Allez, on continue. Parce que là, c'est quoi? Je regarde l'objectif en haut à droite. Parler à la ficelle en attendant qu'Elonor reprenne ses esprits. Ok, et où se trouve la ficelle? Ezen, sais-tu où est la ficelle? Goma ni seire ni majo. Kondo a taimashi ga michizure ka. Yakkai na koto ni natta na. Oka ni hoho ga nakatta. Shikata nai desho. そうだな。ライフセットを失うわけにはいかない。カノヌシがあれほどの化け物と分かった以上、ライフセットの力は貴重な戦力だ。カノヌシ、本物の聖主なの？分からん。だがまともな精霊じゃないことは間違いない。精霊があの力で何かをしようとしていることもな。カノヌシの正体と精霊の本当の目的。 攻略の糸口は、まずは知ることか。状況証拠から考えれば、アイフリードの失踪も、奴らの企みの一部である可能性が高いな。あのエレノアという大麻師から情報を引き出せるかもしれん。そうだけど、拷問は禁止よ。なあ、シーフォラ、スメトラ、ケッション。わかっている。契約を結んだ以上、エレノアが壊れたらライフセットが拷魔化するからな。何それ？聞いてない。 器と精霊の宿命だ。危険だが、しばらく身近で泳がせるしかないだろう。厄介なことになったわね。Il est bien pessimiste. Hein. Non, mais moi je pense qu'il faut la soumettre à la question. Évidemment. Donc là, on est revenu ici, mais là, est-ce que c'était une zone où on avait déjà été? Non, je crois pas. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, Kiriko, de tout ça? アルトリウスにカノヌシ。どっちもとんでもない化け物だったな。なんで嬉しそうなわけ？まだ生きてるからさ。生きていれば戦える。前向きね。そういうゴーマなんだよ。お前はどうなんだ？敵討ちは諦めるか？あいにくそんなゴーマじゃないわ。ならあいつらに勝つ方法を見つけようぜ。絶望するのは死んでからでいい。付き合ってくれるの？ ああ、生き延びられたのもライフセットのおかげだしな。知ってるだろう？こう見えても義理堅いんだ。 Ah, c'est vrai que t'en as pas l'air. C'est vrai que t'as pas l'air d'avoir le sens du devoir. Bah, la ficelle. Il est où la ficelle? Non, 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 sauvegarde pas. On a pas besoin de le faire. Vous êtes des vénards, vous êtes gâtés, je l'ai fait hors ligne. Comme ça, on perd pas de temps. Ah. Bon, on va le faire là. Ok. Ravin de Brigitte. Je reviens là. Ravin de Brigitte. La vallée des vents hurlants. Alors, la ficelle, il va être au bout d'une colline en train de rêvasser. Voilà, comme dans tous les JRPG qui se respectent. Vous avez vu la petite fleur là-haut?
Pour nous, ça, hein, un jour. Oh, là, il y a un petit coffre. Un petit coffre. Tac, 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 tac. Reçu. Botte de fluorite. Botte de combat ornée de fluorite. Mais je crois qu'au niveau bottine, on n'est pas encore expert. Hein. Non. Mais on peut quand même regarder. Ah. Ah, d'accord. On verra ça plus tard. Et notre bateau, il en est où? Ah, il était arrivé. Il était déjà arrivé depuis longtemps. Double requin, badge fleuri, élève brillant. On l'avait déjà eu, ça, élève brillant. Non. Qu'est-ce qui nous manque? Ici, on a tout eu, hein, regardez. Matériaux, on a tout. Sur les mers de Lemon. Spécial, on a eu le pendentif rouge. Et on a débloqué la zone direction les îles de Diomel. Ok, là on est sur les îles de Diomel. On a débloqué la direction sur les mers des Exfers. Le spécial, il nous en manque encore et il nous en manque encore. Allez, on retourne là. C'est peut-être avec le niveau 4 qu'on arrivera à avoir l'objet. Moi je veux tout. Je veux tout. Donc là on est sur, sur le ravin de Brigitte. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air très long. On va encore perdre notre vie là-dessus. Bon, la ficelle, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Là, d'être dans le corps de la nana. Qu'est-ce que ça t'a fait? On veut tes impressions. Je dirais rien. Tout le temps, il se plaint. Il s'excuse. おかげで私は生きてる。僕、ベルベットが死んだら嫌だと思った。だから、助けたかったんだ。ごめん、偉そうなことを言って。私は、 あんたを物扱いしてた。一緒に行くって決めたのは僕だよ。ベルベットはどうするか聞いてくれた。これからもきっとまたひどい目に遭うわよ。まだ戦うんだね。 C'est la ravine de Brigitte. Mais qu'on lui enlève ce collier à ce pauvre gosse. Mais c'est qui Nomina? C'est la nana? On vient de battre? J'ai un doute là. あ、主の牙が折れる方に100ガルドかけたんじゃよ。主が生きておったせいで、六郎との賭けに負けてな、10ガルド取られてしもうた。それを取り返したいんじゃ。勝手にすれば。おお、賭け成立じゃな。
これでお主に同行する楽しみができたわい。暇が潰せればあとはどうでもいいんじゃがな。ベルベット、カナヌシのことだけど、これ。ああ、バメッシー。離宮から持ってきた本？うん。でね、この表紙の紋章って、神殿にあったのと同じ。これ、カナヌシのことが書いてあるの？うん。古代語だから読めないけど。いや、falloir qu'on aille voir un traducteur。グリモワールというわしの知人なら解読できるやもしれん。本当？かどうかは聞いてみねばわからんがな。どこにいるの、その知り合いって。さての、最後の便りはサウスガンド領のイズルトからじゃったが。当てにならなそうな当てね。そこをあがいてみせるのがお主の仕事じゃよ。ご期待通りにやってみせるわよ。せいぜい折れんようにな。Ok, elle est toujours aussi bah, chiante, hein, voilà, hein, c'est le mot. Elle est toujours aussi un peu chiante. Hein. Ok, bah, c'est pas qu'elle est chiante, c'est que bon, elle est. C'est pas, ça dit que c'est pas le bon mot non plus. Elle est. Comment dirais-je ? Ce n'est pas vraiment le moment d'aller faire une promenade. Il faut qu'on retourne voir les autres, ok. Elle est... comment on dit quand les gens sont comme ça? Elle est cynique, voilà. Magilou, je suis désolé de le dire. C'est un personnage cynique. Elle est pas très agréable. Et encore, là, on a eu de la chance. Il n'y a pas eu son Malak qui est venu nous parler en même temps qu'elle. Parce que quand on a les deux, pour ceux qui ont suivi les 9 autres VOD ou live avant... Et les deux en même temps, c'est pas simple. Hein. Faut être armé, équipé, motivé. Hein. Ah, examiner. Quelqu'un. Ok. Bon, bah, on route. Ah, oui, c'est vrai qu'on devait soumettre à la question. Là. Moi, j'étais en train déjà de me barrer. Non, on va poser quelques questions. Et tout repop, hein, à chaque fois. Hein. Peut-être lui enlever ce chapeau de cow-boy un jour. Oh là là, il m'oblige à aller prendre la boule. Ils le savent. Ils le savent que je suis faible. Allez. Dame et l'honneur est toujours si sincère. Par rapport à Magilou, c'est le jour et le noir, ou quelque chose de ce genre. Bah oui, mais... Ah, se reposer. Oui. Oui, on se repose maintenant. On a assez parlé. Je me souviens plus de son nom. Parce qu'entre temps, on stream un excellent jeu, Remothered. Même s'il n'est pas exempt de défaut, mais il n'est pas exempt de qualité. Donc là, je vais un peu oublier les noms là. Chiale pas, ça va bien se passer. All will be fine. Et tu vas pas nous tuer pendant notre sommeil, j'espère. Tu nous as promis d'être notre ami, notre besta. On s'est même échangé notre sang. Elle va se suicider. Elle va se suicider. On dirait des plantes cannabis. Bravo. Bravo les anciens. Ça cultivait du cannabis, quoi. Ah, bravo. En partant, je laisserai une petite lettre de dénonciation.
Une petite lettre, une petite délation. Pour le bien de tous, pour le bien de tous. メルキオル様の更新聖鋭術。メルキオルに血脈をたどらせてみれば、妙なことになっているようだな。アルトリウス様、この失態は。あ、せもわ、コピスディア。顔を上げなさい、エルノ。お前に同志の特命を授ける。同志の特命。 ライフィセットと名乗る精霊を保護し、ローグレス精霊本部に回収せよ。なお、この匿名は特等大魔師以上の機密事項とする。あの精霊を守ってオートに連れ帰れと。しかも内密に。あくまず器になれたのは好都合だ。ですが、 あのものは器である私の行動に干渉できるのです。精霊が意志を持つなら、それを操れば済む。同志アルトリウスの名において、匿名完遂に必要ないかなる行動も許可する。ホーマに従うことも含めてですか？ Non, mais bon, vous abusez un peu. Vous abusez un peu là. この命はアルトリウス様の教えに従って使います。 Bon. En même temps, ça nous concerne pas, hein. Nous, on est de l'autre bord, hein. On est de l'autre bord, on s'est compris, hein. Voilà, on a tout vu. Ah, bravo. Prêtresse. On va pas te laisser emmener la ficelle. Petit piazzang merdique. Okitana, guai wa dou da? Mondai arimasen. Ano, mou anna koto shinai de ne. Itai no wa koai. Desho? Daijoubu. 私はもう逃げません。僕はライフセット。よろしくね、エレノア。ええ、こちらこそ。逃げようとしたら、あんたの手足を食って動けなくするわよ。生きてさえいれば、器の役割は果たせるんだ。その必要はありません。私は、あなたとの決闘の前に制約を。おい、もう、t'as vu? On t'a vu faire un autre serment après. On t'a vu renier. On t'a vu le renier ton serment. Arrête de nous mener en bateau. Nara, ça se coûte ni quota de Morawayo. C'est Rioa. Canonus Yotska. Oui, mais c'est qui Inomina? ゴーマを消し去ることです。開門の日から続く大災厄の時代を終わらせるために。具体的にどうやってゴーマを消す？願えばカノヌシがゴーマを皆殺しにするとでも言うのか？そこまでは知らされていません。カノヌシの祭司は聖領でも機密事項でメルキオル様が取り仕切っていることくらいしか。やっぱりカノヌシの正体を知るには ライフセットのコモン城を解読するしかなさそう。Tout ça parce qu'ils sur la couverture il y a le même symbole. サウスガンドリオのイズルトに行けば、そやつの手がかりがあるはずじゃよ。その前にここがどこか調べんとな。まずは一つ。Mais moi je vous ai dit où on était.
On est dans le gouffre de Brigitte, dans le ravin. Parfois les voix sont pas fortes hein, quand ils parlent, hein. Je sais pas pourquoi. Ça c'est bien vrai, bravo. Merci Velvetto. Allez, bien longue. On a eu des nouveaux titres. On a encore une. Bon, il fait jour là maintenant. Allez, en route pour l'aventure. On a des nouveaux titres. Est-ce qu'on peut changer l'ordre? Stratégie. Ah, formation. Ah bah c'est bon, la ficelle est revenue. Non, moi je préfère que lui soit... Moi je l'aime bien lui, hein, Zen. Icône dure. Bon, on reste comme ça, on reste comme... donc X, c'est carré, hein, putain. A, c'est X, putain, c'est chiant. Hein. Enfin, pardon. Non, c'est très bien, c'est pas chiant. Bon, la musique invite à l'aventure, hein. On y va. Ouais, hop, viens de fighter, toi. Bon, maintenant on a deux magiciens dans l'équipe. Alors, Arte après, spirale de grêle, rayon kaléidoscopique. Objet remporté, boucle d'oreille de calcite. Alors, c'est une perte de boucle d'oreille de calcite. Ouais, bah bravo. Les ennemis peuvent être sensibles ou résistants à certains éléments, sauf en difficulté facile. Point faible, les attaques infligent plus de dégâts et ont plus de chances d'infliger une altération d'état. Résistance, les attaques subies infligent moins de dégâts et sont plus faciles à parer. Des fois, je regarde un peu à droite, c'est pour voir si le son est bon. Excusez-moi, ça va me passer. Hein. Renvoi, c'est l'attaquant qui subit des dégâts. Ok. Alors, on a des petites boucles d'oreilles. J'ai envie de voir si quelqu'un a déjà maîtrisé, voilà. Ah non, boucle d'oreille. Est-ce que quelqu'un a déjà maîtrisé ses boucles d'oreilles, voilà. Non, mais il y a que elle qui met des boucles d'oreilles. Elles sont beaucoup mieux, mais... Pour l'instant, on essaye d'avoir l'efficacité contre les semi-humains. C'est pas terminé. Il vient d'arriver, donc... Lui, il a maîtrisé le sac de calcite. On peut peut-être lui en mettre un autre.
Mais il a tout maîtrisé. Ah bah bravo. Lui c'est toujours pareil. Ah il a maîtrisé les buffs de calcite. Mais c'est toujours pareil. Il peut pas mettre les autres, ils ont pas encore maîtrisé leurs bottes. Allez hop, on continue. Oui. Non, je regarde, elles sont faibles arts à quoi elles? Ok. Ah, Arte mystique carrément. Allez, un coup de marquage. Un petit coup de marquage. Ça fait toujours plaisir. Faut pas que j'hésite à changer de personnage. Les apparences sont trompeuses. Oh là là, allez. On se fait lui, puis on se regarde la scénette. C'est quoi cet arbre? Bah, t'as pas aimé le feu, lui, voilà. Allez, Arte mystique. Là, ça n'arrête pas. Là, ça n'arrête pas. Ceinture de calcite. Ceinture ornée de calcite augmente l'attaque d'Arte pour un temps limité quand le porteur est à l'article de la mort. Ah, c'est bientôt. C'est bientôt qu'on va pouvoir changer. Hélas, les autres ne peuvent pas porter ce genre de ceinture. Bon, on se refait un combat et on se regarde la scénette. De toute façon, la scénette peut attendre. J'alterne entre les personnages avec le pad directionnel haut et bas. Je peux passer à la nana. D'ailleurs, on va regarder son nom. Arte Martio, Estocade à la lance. Justement, c'est elle. Bah, Eleonore, en plus, j'ai oublié son nom, c'est le nom de ma sœur. C'est un petit peu idiot quand même de ne pas se souvenir. Arte Martio, Estocade à la lance. Arte de Malak, attaque de feu à la lance. Les artes martiaux d'Eleonore sont efficaces à courte portée et ses artes de Malak à moyenne portée. Les ennemis éloignés lui posent problème. Voilà. Certains de ses artes martiaux peuvent absorber des PV. Ok. Allez, les apparences sont trompeuses. Au bout du petit chemin, on se regarde cette petite scénette qui va être essentielle dans notre vie vidéoludique. どうした、ライフセット。女を見かけで判断しちゃダメって言われたんだけど、僕どうしていいかわからないんだ。それは男の永遠のテーマだよな、アイゼン。ああ。
女という生き物は実に厄介なものだ。息をするように嘘をつけるのが女。女の嘘を決して見抜けないのが男。Exactement. わかる。わかるぜ。Exactement. 二人とも、とても辛い思い出があるみたいだね。刀で切られた傷よりも、女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？女の涙には気をつけろ。決して女には油断をするな。これだけは覚えておけ。女の涙には気をつけろ。油断するな。Enfin. ちょっと、あんたたちライフセットに変なこと教えないで。Non, enfin, un jeu vidéo sans propagande, ça fait plaisir. あんまり余計なことを吹き込むなら、あんたたちを食らうから。おお、怖い怖い。剣士も海賊も女で苦労しとるようじゃのう。ま、その面倒くささが女というものじゃよ。わしはお主らに強い同情と深い同情を感じるぞ。今のベルベットとマギルーをどう思った？ベルベットはロクローたちを食べたりしないし、マギルーに分かってもらえてる感じはしなかった。女を見かけて判断するなというのはそういうことだ。そしてお前はそれができているようだ。あ、うん、私は違いますからね。え、感情と関係なく涙を自在に操る女性はいますが、みんながそうではありませんし、私は嘘が嫌いです。アイゼンや六郎の出会った女性が極端だっただけです。エレノアは嘘が嫌いなんだね。え、はい。ライフセットが俺たちのようにならないように、お前が見本を示してやってくれ。言われなくてもそうさせていただきます。エレノアも見かけより気が強いよね。Je suis à deux doigts d'arrêter de streamer ce jeu pour me faire Dragon Guard 3. Les scénettes sont longues, mon dieu. Et regardez, on va se taper des milliards d'ennemis pendant des heures et des heures. Et l'histoire est pas passionnante. Hein. C'est vrai, bon, je continue. Hein. On va voir. N'allez pas mourir. Voilà. Là, il nous reste qui? On va faire elle. Je dis elle parce que c'est une sorte de goon. Point faible, le vent. Voilà. Je savais bien que j'avais du vent quelque part. Votre expédition est rentrée. Alors, est-ce qu'on a réussi à faire à 100%? Regardez-moi ça. Défaite, défaite, victoire quand même. Ah, on a gagné un niveau. On a du double requin et du citron. Non, on a toujours pas. Il nous manque encore des petites choses. Hein. Allez, on renvoie. Alors peut-être qu'il faut aller explorer d'autres contrées pour pouvoir revenir ici, je ne sais pas. Ah. キラキラしてるのはキラハガネかも。キラハガネ？虫？剣や武器の素材になる金属だ。限られた地方でしか取れないレアメタルだな。キラハガネの産出地ならここはエンドガンド領かアイルガンド領か、どちらにしろミッドガンド領から相当離れた辺境だ。
清涼も大した人員を配備していないだろう。さすが海賊、金目のものと警備には詳しいな。追い立てられる危険は低いってことね。一つお手柄よ、ライフセット。うん。でも手は洗いなさい。Quoi, elle a jamais entendu quelqu'un dire à un enfant de se laver les mains ? Oui, bien vu. Quand je suis en ville et que je sais pas trop où je suis, et ben je demande à quelqu'un. Allez, Arte Mystique. Je l'aime bien, elle. Oula 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 oula. Voilà. Mais ça va être infernal de gérer autant de personnages à bout d'un moment. La sonnette s'appelle mais pas toujours. Alors non, on la fera jamais celle-là. Ok. Par où on doit se diriger? Par là. Vous avez vu, il y a un monstre hein, qu'il va falloir qu'on tue. Hein. Bah oui, il y en a plein, mais je veux dire, il y a un monstre. Un monstre spécial. Voilà, bravo. Là j'ai bien joué sur les faiblesses. Pierre de calcite. Bon là il y a quoi? Il y a un petit trésor, il y a quelque chose. Oui. Ah, tout à l'heure on avait vu une herbe, je crois que je l'ai peut-être loupée. Hein. Mais celle-là on va pas la louper. Objet. Allez de la verveine. La défense plus 2. On va mettre ça sur sur le pauvre hein, sur la ficelle. Parce qu'il a pas une super défense la ficelle. Hein. J'sais pas. Et il nous aide énormément, il nous heal. Tiens d'ailleurs au niveau stratégie. Merde. Maintenant qu'on a Éléonore, secourir les alliés en danger, ça c'est bien. Offensif. Elle est offensive et le choix régénération pour soigner. Oui, moi j'aimerais bien qu'elle fasse de la régénération. Hein. Le healing, c'est la vie. Hein. Moi je m'occupe du reste. Alors normalement, là, le monstre il est par là. Hein. Là on le voit pas encore parce qu'il a pas popé, mais il est dans ce coin là. Anta, chotto ii? Eh oh toi, le manant là. C'est qui ça, le briseur de l'âme? Et là, tu vas nous laisser tranquille dans la de merde. Il est fort.
Attends, il a combien? Il a 7000. Et si je change de personnage? Ah oui, elle peut revenir. Allez là. Pourquoi il veut pas faire son attaque spéciale? Bon. On a un petit peu bourriné, mais c'est passé. Hein. Parfois ça passe. Ah, mais maintenant il va nous prendre pour un briseur de l'âme. Il nous a accusé de ça au début, c'est malin. Mais oui. Oui, et confiance. Je suis Mais on est dans le ravin de Brigitte. Tu sais pas lire la carte? Ah pardon. Tant pour moi. On va le trouver, nous. On est professionnels. Oui. C'est une belle philosophie de vie, ça. Eleanor. Allez. Alors, on a gagné quand même la glacite accablante, hein, qui nous permet l'activation de compétences aléatoires aux effets de lenteur. Ok, très bien. Ok. Alors, je vous préviens, vous allez pas nous retarder, là. Ça marche pas. Le feu, hein. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un pia. Les attaques de terre. Oh,
ils sont costauds là. Merde, je suis sonné. Allez, allez, je change de personnage. Je peux pas encore. Bon. Tout est bien qui finit bien. Il y a Kiriku qui a gagné un niveau. Et on a une ceinture de calcite. Et une pile en bambou. La pile en bambou, ça c'est pour la ficelle. Les fibres de ce papier sont agrémentées de poudre de bambou. Allez hop, on va regarder ça. Elle est où la ficelle? Elle est là. Feuille de grâce, très bien, mais c'est pas encore expertisé tout ça. Hein. On va peut-être se manier un peu les fesses. Ça va être pas mal, ça lui fait baisser sa vie, mais il va être un petit peu plus... Il va être un petit peu plus costaud, et puis la magie surtout, c'est ça qui nous intéresse, nous. Bon bah c'est pas pour tout de suite. Hein. J'ai envie d'aller regarder un petit coup là. Eh oui, j'ai bien fait. Il faut regarder hein, toujours. Allez, sauge. PV max plus 10. Alors qui c'est qu'on a le moins? La ficelle comme d'habitude. Toujours à la traîne la ficelle. Hein. Oh là là là, on s'est fait avoir par derrière. Ah, faut pas qu'on déconne là. Je crois qu'on déconne. Je fais peu de dégâts. Hein. Ah voilà, ça c'est bien ça. Ils sont résistants. Résistants, résistants. Ça peut m'emmerder mon temps. Hein. Voilà. Voilà, joliment fait. J'ai changé de personnage au bon moment. Bon, est-ce qu'on se tape la petite... Est-ce que c'est bien nécessaire de se taper la petite scénette sur le livre de la ficelle? Déjà, on fait une petite sauvegarde rapide. Tu vois pourquoi je le sens pas, lui, là. On en fait des lattés sévères là, non? Ouais, pas mal. Les zen. Ok, après un arté. Ah, enfin! On a la récupération de PV par ennemi vaincu plus 50. Ça y est, on a enfin expertisé l'écharpe à rose d'Aphrodite. Eh, ça fait plaisir. Ça faisait un petit bout de temps. On voulait cette écharpe. Et maintenant. Attendez, elle est où? Écharpe. Récupération. Alors, récupération de PV par ennemi vaincu plus 30. C'est bien ça, hein. Pourquoi il marque plus 50 alors? On l'a expertisé, bordel de merde. Bon, on lui change son écharpe. Bon, ça c'est un petit peu merdique. On va lui mettre ça, hein. Par contre, en JP, elle passe de 0 à 3. Bon, ça c'est pas terrible. On lui met une petite ceinture de calcite. Attaque d'Arte plus 30. Allez hop, on prend ça. Mais c'est pas terrible, hein. On perd en JP. Hein.
Mon cœur balance. Allez, on lui met ça en attendant. On va voir. Si ça pose souci, on va vite s'en rendre compte. Sauvegarde. Sauvegarde officielle. Et on se tape la petite scénette de merde. Ah bah carrément. その古文書、あなたは読めるの？うん。いろんな言葉を勉強したけど、これは見たことない言葉で書いてあるから。エレノアは読めるの。うん。私もこの言語は初めて見ます。このような珍しい古文書をどこで？え？えっと。いっ、それは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 。いっ
しばしば読書をしていました。そうなんだ。ええ、何を読んでいたのかは知りませんが。僕を読んだですか？ディエンフーも本が好きなの？イエース、本は素晴らしい知識を与えてくれまふからね。あー、il nous avait pas manqué lui。 A ランクの僕が読む本はライフィセットのようなお子ちゃまには難易度が高いかもですけど。好みの人間女子を口説いて器にする方法、可愛い子ちゃんと好き好きスキンシップ。ビッ、口説くってどういう意味？知らなくていいから。あ、はい。とりあえずこの本は全部没収。問いただしたいことがあります。 On a rien entendu。 ビエンフ、後で厳しく尋問させてもらいますよ。ビエン。Ah, c'est bien. La scénette était pas très longue. Putain, il y en a encore une autre. On dirait que vous vous amusez. Oui, oui, bah oui, on dirait simplement. Allez, on continue notre périple. Putain, il y avait un truc là. Je suis pas fou. Un jour on pourra voilà, ouais, vous voyez là il y a un petit point d'interrogation. Un jour on pourra sauter par dessus. Je le sais. Je le sais. Eh là là là. Ouais. Oula, arc mystique. Un coup de marque-page. Très très bien. Non, non, non. Mais donc je disais avec le... Mais elle va me rattraper là, non? On a bien fait de sauvegarder. On a bien fait de sauvegarder. Allez. On va le latter. On va le latter. C'est lui le mec qui brise les lames. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, point faible, c'est la flotte.
Merde. Putain, mais... Je change de personnage, j'essaie de faire le gameplay au maximum. Putain. J'ai pas fait le bon personnage là. Je reviens sur Velvet. Putain, allez. Allez, objet. S'il te plaît, toi la ficelle, s'il te plaît, résurrection, ça serait bien. Il m'a feinté pendant mon attaque. Oh. Merci. Allez, lâtez-le là pendant qu'il est à terre. Allez, voilà, Velvetto qui revient. Là, ça va pas être le même. Si j'arrive à placer mon truc. Allez, on doit l'avoir là. Ouais, c'est bon. Et bon, c'est bon, c'est terminé. Enfoiré. Ouais, c'est bon. On l'a eu. Oh là. Je cache pas que là c'était énergique. C'est un petit peu énergique là. Makasero. Ici à Kiriko. Ah oui, il prend ça personnellement parce que c'est une histoire de l'âme. Bon, c'est fait ridiculiser. Une fois de plus, vous me direz. Ah. Ah bah bravo la ficelle. Il peut devenir vraiment méchant lui hein. Ah bah un peu énervé, t'as failli tuer le gosse. Tellement qu'on puisse dire. Mon dieu. N'hésitez pas à me follow hein, pour avoir la fin de cette superbe aventure. C'est plus qu'un jeu vidéo qu'on partage ensemble, et vous le savez. Alors, ne vous mentez plus à vous-même, et puis follow. Y'a pas de honte, hein. On a tous eu des mentors.
Nouveau, Acérite d'Armurie 2 augmente le taux de régénération des PV. Ça m'intéresse. Ça nous intéresse. Acérite d'Armurie 2 augmente le taux de régénération des PV de 50% pour les personnages ne participant pas au combat et portant un équipement amélioré 10 fois ou plus. Ah oui, mais on n'en est pas là. Hein. Et toi, tu vas nous attaquer et nous tuer? Elle est où la sauvegarde là? Déjà, on va sauvegarder. Non mais on va sauvegarder comme ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce que... Mais alors du coup, quoi? Équipement, voilà. Alors, l'anneau d'eau, elle l'a enfin maîtrisé. Elle a un dégât d'eau réduit de 4%. Voilà, dégâts d'eau réduits de 4%. C'est maîtrisé, ça. Donc, on va lui mettre un autre anneau qu'elle a pas maîtrisé. Mais l'anneau de flamme, il est déjà pris. L'anneau de terre aussi. Elle a tout maîtrisé. Eh ben, on va lui remettre un anneau qui est un petit peu mieux au niveau défense. On va lui mettre l'anneau de feu. Plus ça lui rajoute 1 de JP, c'est très bien. Voilà. Là on est bien. C'est bon là, rien. Ah si, bah, c'est toujours pareil le truc des bottes. Lui il va bientôt avoir. Il a enfin maîtrisé l'anneau de vent. Donc on va lui mettre un anneau. Qu'est-ce qu'il a pas maîtrisé? Ah bah anneau de feu. Ça, tout le monde est content. Elle a toujours les mêmes saloperies. Hein. Alors, il y a anneau de feu et anneau de flamme. Hein. C'est pas la même chose. Ok. Experte du menu. Bon, on va faire ça. On va mettre les derniers maître forgeron. Qu'est-ce que ça change? Allez, on met le dernier truc, hein. On se fait pas chier. Voilà, hop, excusez-moi pour le petit menu. Bon, on a perdu encore 50 viewers. C'est... On a l'habitude, de toute façon, à chaque fois que je commence un stream, on est à 50 000 viewers. Et on en perd 50 à chaque fois que je retourne dans le menu. Mais maintenant, on a l'habitude. Ça fait partie du postulat de base, quoi. Est-ce qu'un jour on va sortir de ce ravin? Oh, pardon, vous n'arrivez pas à lire. Ouais, moi je me méfierais quand même, la ficelle, hein. T'as vu, elle essaie de te tuer. Pourquoi? Je veux le tuer. いい人。剣の勝負でな。あいつに勝つためならなんだってする。どれだけ血を流そうが命を落とそうが人の心をなくそうが。そう思い続けてるうちに本当に人間じゃなくなっちまった。なんでそんなに勝ちたいの？それもわからん。傲慢どころ。色もあるネットで。 J'ai une image à préserver. Hein. それに、なぜお前が怒る？おかしいとすら思わないとは。
やはりゴーマですね。ああ、ゴーマだ。Bon, ça c'est les petites scénettes forcées, hein, c'est toujours un peu désagréable. On aime bien pouvoir les choisir. Bon, on arrive bientôt à notre objectif, hein. Ouais, voilà. Bon, toi déjà, je te pète la gueule. Et quand c'est j'y arrive. C'était peut-être un peu ambitieux de faire ça tout de suite alors que c'était 4. On verra. Un petit peu ambitieux là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai baisé mes pouvoirs spéciaux d'emblée. Ah, enfin. La ficelle a maîtrisé les chaussures solides. Donc le temps pendant lequel vous ne pouvez pas utiliser d'objets est réduit de 16%. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est lui qui nous file, bien sûr, les potions. Donc, qui nous heal. Allez hop, la ficelle. Chaussures solides, il a maîtrisé. On va pouvoir passer à autre chose. Ah, par contre, il perd vraiment en défense. Hein. Ça, il a maîtrisé. Ah voilà, botte de calcite. Ah bah voilà, il y a des très bonnes bottes de calcite ici. Allez hop, tout nous met ça. Et regardons s'il a toujours... vous pouvez pas utiliser le jet réduit de 16%. Voilà, c'est bon, ça c'est maîtrisé. Ok. On est bon, on est bon. Alors, on peut aller... Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes, toi? On va y arriver un jour, hein. Cet anneau, il m'a mis un petit anneau merdique là autour de moi. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais... Merci la ficelle pour la vie. Et oh, je suis mort. La ficelle. Sauve-moi la ficelle. Là c'est pas mal hein. Et tu... Putain mais... Qu'est-ce qui s'est passé encore à la ficelle s'il te plaît? Ça c'est parce qu'on a changé de botte et on est un peu moins résistant. Hein. On a combien de vie là? On n'est pas terrible. Hein. Là je crois qu'on a, on a changé l'anneau. Non, non, mais c'est pas ça. Et le truc de feu, hein. On avait beaucoup plus de défense, j'ai l'impression. Non, non, même pas. Non, non, j'ai mal joué. On va se prendre... non.
On voudrait un truc à manger. Voilà. Une petite gelée de pommes. Si. Voilà. On en rachètera les enfants, ne savez pas. Hein. Ok, et là? Ravin de Brigitte près des ruines de Vildiver. Non, j'en veux pas retourner au début. Pas du tout. Non, on sort du ravin de Brigitte. Ah non, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et du coup, on n'a pas tué le monstre, hein. Si, attends. Il y a un monstre, hein. Je suis désolé, hein. J'en démordrai pas, hein. On va aller se taper le monstre. Voilà, on est là. On est là. Ah, il est un petit peu en dessous. Il aurait fallu... Non, il aurait fallu tourner à droite, là. Ça serait bien qu'on se fasse le monstre, vous êtes d'accord? En plus, je sais que vous êtes d'accord. Vous aimez les parties épiques, et vous avez bien raison. Ah bah, alors lui, carrément, il est au milieu de la route. Non, on va faire vite. On voit bien qu'il a cette grosse tache rouge là, on est obligé de se le faire. De toute façon, ils peuvent pas m'attraper. Ils peuvent pas. Voilà, on y arrive. On n'a pas été l'emmerder lui. Ouais. Hein, quoi? J'essaye de faire l'attaque imparable à chaque fois là. Je maintiens ma garde pendant plus de 2 secondes et ça fonctionne bien. Titre obtenu, produit combo. Ok. Ah, il est Weizen. Pendant type d'ambre. Alors je sais que c'est chiant pour vous. Hein. Il a maîtrisé. Il a une puissance d'attaque de terre de plus de 4%. Et par heure. Allez, on prend ça. Il aura une puissance d'attaque de terre de plus de 7%. Et on fait une petite sauvegarde. On se fait plus baiser maintenant. L'autre fois, vous vous souvenez, hein. Pas la partie d'avant, mais juste celle d'avant. On a fait plein de choses, on n'a pas sauvegardé. Et puis, patatras, hein, patatras, on a eu tout à refaire. Alors, on essaye de se le faire, lui. On remarque qu'on peut déjà prendre ce qu'il y a dans le coffre. On peut manger le dessert avant l'entrée. Idole au chocolat, gardien à l'odeur douce. Je sais même pas ce que j'ai ramassé. Bon allez, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va lui péter la gueule à lui. Allez, c'est parti. Alors, premièrement, on se fait les harpies. ミキロだ、攻撃、呪い。
だ。Pas mal là. Merde, j'ai voulu faire un truc bien et puis en fait j'ai merdé. Et oh, la ficelle, tu peux nous résurrectionner On va pas crever là, on est en train de gagner. Mais putain, mais pourquoi il peut pas se battre? Non mais c'est quoi ce délire? En plus il a plus rien. Ah putain, et merdez la fin du combat là hein. C'est ce qu'on appelle chier dans la colle. Oh là là, on a plein de choses que expertiser. Ventite du voyant indique le nombre de coffres au trésor non ouvert sur la mini-carte. Ah, enfin. Eh oui, il en reste 3. Allez, qu'est-ce qu'on a pas, qu'est-ce qui a été expertisé? Allez, le gilet d'ambre, enfin. Gilet d'épines. Bah oui, mais c'est pas terrible. Gilet de calcite. Attends, dague ténébreuse. Maîtriser, il a tout maîtrisé lui. Bon bah du coup, comme t'as maîtrisé les dagues ténébreuses, on va te mettre les tags de calcite. Ok, les chaussures solides, il a maîtrisé, donc on va pouvoir changer. Les bottes de combat, ça c'est un peu de la merde hein, quand même. On l'a vite compris. Voilà, les bottes de calcite, il l'a jamais fait. N'a pas des mieux. Allez hop. Lui, du coup, il peut changer de. Voilà. Il peut changer. Il peut prendre les bottes fluorite. Voilà, voilà. Poupée gardienne, elle a maîtrisé. Donc, du coup, elle peut passer. Ah, voilà. Idole en chocolat, c'est ce qu'on a gagné tout à l'heure. Allez, on prend ça, l'idole en chocolat. Allez, hop, c'est parti. Bon, excusez-moi pour ce petit détour, mais. Comprenez bien que ça nous a gagné. On a gagné masse XP. C'était quelque part, c'était essentiel de le faire. Je m'en serais voulu. Pour l'instant, on en a eu 4 des gros monstres. Enfin, des monstres, des boss optionnels, on va dire. Et moi, j'aime bien, ça donne un petit challenge. Non, vous m'aurez pas. Courez pas assez vite. J'ai 10% de course en plus que vous. Ouh putain, c'est vrai qu'elle va vite. On va être obligé de se la faire. Ah non. On va se faire le petit arbre.
plus on va avoir l'avantage. Voilà, situation avantageuse. Oh bah voilà. Ah, ils aiment pas le feu, hein. Allez, ça y est. On progresse dans l'histoire. Ou de... D'une heure vingt. 1h20, on a enfin franchi le ravin de Brigitte. Imaginez le temps qu'il va falloir pour finir le jeu. Imaginez. Je pense qu'on va vite passer à Dead Space. Déjà ce soir à 19h, on continue la partie 3 de Remother. Donc bien sûr, on pourra aller là, hein. C'est évident que c'est ici qu'il faut qu'on aille, mais voilà. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est les trésors. Oui, je veux ouvrir. Oui, on veut libérer la binouze. Franche coiffée à droite. Vous verrez mal à l'œil droit, mais c'est à la mode. Oh putain! Voilà, je commence à comprendre le gameplay, hein. Voilà. C'est un gameplay très énergique. Puis quand on commence un peu à le maîtriser, je dis pas que je le maîtrise, mais quand on commence à le comprendre. Bon, c'est vrai qu'il est. C'est oula. Très sympathique. Je fais une petite sauvegarde automatique, j'ai pas confiance. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ici? De quoi? Ganoderme luisant. Fjoldinov. Bon, ça c'est bien, c'est pour sortir des donjons. Un jour, là, il va y avoir un point d'interrogation. Voilà, on pourra sauter de... On aura un pouvoir. Je le sais. Bon, allez, cette petite partie 10, là. Faut au moins qu'il s'est passé, que ce soit passé quelque chose. Ça va s'appeler le ravin de Brigitte, ça on le sait déjà, mais faut qu'on en sorte pour pouvoir l'appeler. Hein? Faut qu'on sorte du ravin pour pouvoir lui donner un nom. Il faut que ça soit passé quelque chose. Allez. エレノア、さっきは助けてくれてありがとう。私は命令通りあなたを守っただけです。命令通り。もちろん命令されなくても誰かがゴーマに襲われていたら助けますけど。お綺麗なことね。思い出した。な、何をよ。世にも悲しいセーランの由来王者よ。さて、お立ち合い。それはいつ誰が撃ったのか知る者はおらぬ。じゃが誰もがその切れ味を認める太刀があった。その博士は猛獣のごとく叫び声を上げ、山をも吹き飛ばす嵐を呼んだ。この世に二つとないその太刀を人は神の刀、神刀と称えた。神の刀、それがセーランですか。話はここからじゃ。さような神刀に魅せられた男がおった。名は黒金、希代の才を持つ刀鍛冶じゃ。そやつは心血を注いで神刀を超える刀を打とうとし、自らの刀にセーランの名を与えたという。叫ぶ嵐を制するという意味じゃな。すごい刀はできたの？いいや、
黒金は何十度も浸透に挑んだが、その数だけセーランは折られ砕け散った。絶望した黒金は浸透の持ち主に首をはねられたとも、自ら命を絶ったとも言われておる。もう何百年も昔の話じゃ。じゃが、やつの浸透への恨みはセーランと共に今も生き続けているとかいないとか。何百年も続く恨みか。よくある怪談話ですね。さっきの刀も何者かが面を真似ただけかもしれませんかもな。じゃが、もしあれが本物のセーランなら、わしらは枕を高くして眠れんぞ。なんで？黒金が倒したかった神刀こそ、俺の生まれた蘭月家に代々伝わる太刀、ゴーランだからな。野郎がまた襲ってくる可能性があるわけだな。急ぐぞ。 OK。 Alors, tunnel de Vester, ancien site minier.Une sorte de donjon de crawler en fait à chaque fois. Hein. On a envie d'aller partout. Il n'y a pas un bouton pour courir, ça c'est un petit peu agaçant ça. Faut mentir. Malheur mal en point lui. On va lui péter le dos par derrière.Oula, oula, oula, oula. Ils sont résistants, et heureusement que la situation était favorable, hein, parce que qu'est-ce que ça aurait été? Il est toujours pas mort.Merde, merde. Allez, le coup de... du marquage.Ok. On voulait aller voir ce qui est tramé là. Ça, on peut le casser, j'imagine. Et voilà. Ah, il y a un petit trou. Oui, on veut se déplacer. Ah, une grotte secrète. Avec un petit coffre secret à la clé.Anneau de lenteur. Bijou pouvant réduire grandement les chances de lenteur et ses effets. Ça, c'est pas mal. Il va falloir qu'on l'expertise à un moment donné. Anneau. Surtout que le nôtre est expertisé. Qui a expertisé encore son anneau dans l'équipe, s'il vous plaît? Personne. Allez, anneau de lenteur. Il doit être... Anneau de résistance. Ça, on l'a expertisé.Anneau de lenteur. Allez hop, on prend ça. Par contre, on passe de 2 à 3. Putain. Effet de lenteur réduit de 40%. Hein, il nous le faut. Je suis désolé. Hein. Alors du coup, l'anneau du vent, il n'y en a pas un qui a un anneau du feu, là? Celui-là, il est mieux, non? Oui. Voilà. On optimise, on optimise. Non, non, l'anneau de lenteur...C'est très très bien. Ah, du coup, toi t'es là. Bon, ça va. T'es pas téméraire.
Bon, il n'y a rien. Quand je trouverai un beau chapeau, on lui changera. D'ailleurs, on peut le faire maintenant, regardez. On fait vêtements, on va lui mettre le chapeau de pirate. Franche coiffée à droite. Bandeau de pirate. Longue vue. Hein, elle est où la longue vue? Ah, elle l'a dans le cul. Chapeau de pirate. Non, on a trop l'air d'un con. Petit casque de viking, non. Un petit nœud. Non. Non, lui, on lui laisse le chapeau de cow-boy pour l'instant, c'est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur le chat, ça a été unanime. Hein. On a fait un Stropol, un sondage. À 80%, les gens voulaient le chapeau de cow-boy. Hein. Donc je me suis plié. Je suis quelqu'un de légaliste, hein, donc... C'est la démocratie qui l'a emporté. Hein. Moi j'étais pour la longue vue. Dans le cul. Taméo. Et oh là, oh là, oh là, oh là, on va se calmer. Mais c'est pas lui que je voulais attaquer, putain. Des fois, il attaque un mec, c'est pas. Voilà. この拳止められはしない。ライフセット。ちょっと。何？命令じゃなくても助けるなんて言葉真に受けちゃダメよ。大魔師は精霊を物としか思ってないんだから。でも助けてくれたのは本当だから。恩を感じるのは仕方ないけど、あんまり嬉しそうな顔をしないの。え、ジャルーズ。謝ってほしいわけじゃなくて、あいつにはこっちの警戒が鉄壁だって思わせておきたいの。いくらあんたと親しくなっても 私の方が優先だって意識させたいわけ。セリスプリマテルナル。どうすればいいの？つまり、分かりやすく言うと、私を一番、エレノワは二番にしなさいってこと？分かった。ベルベットが一番で、エレノワは二番。そう、私が一番。って、何言ってるのよ。え、な、セラナチュア。大丈夫。ちゃんと分かったよ。 Allez, on sort de cette petite grotte. Ah non, même pas. Bon, il va y avoir un ennemi. Encore un ennemi. Hop. Je mets une petite pause là. Je reviens là-dessus. On va passer en... Voilà, c'est pas beau ça. Donc la partie 10. Petite partie qui se termine dans une ambiance, on va dire, un peu plus calme. Toujours autant de blabla. Hein. Une histoire qui est certes... Enfin, des combats qui sont certes dynamiques, mais un scénario qui est on ne peut plus bateau. Et pour l'instant... C'est du vu et revu avec des scénettes qui sont relativement très longues. Je vais faire une petite pause avec ce jeu, je pense, pendant 2-3 jours. Et puis, je vais voir s'il va me manquer. Puis, on reviendra. Peut-être qu'on fera une partie de temps en temps. On va se focaliser sur d'autres jeux. C'est quand même assez... C'est sympathique, voilà. Il est sympathique, mais j'en ai fait... C'est mon troisième tell-off. Et c'est peut-être... Là, d'aller dans le menu, de passer des heures et des heures. Bon, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus direct. Bon, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h, 19h30 pour la partie 3 de Holy Mozard, le survival horror de Chris Darryl. Voilà, on va changer d'atmosphère. C'est un petit peu plus vivant, on va dire. Bon, eh bien, écoutez, merci de me suivre. Hein, sur, vous voyez, hein, tout est affiché. Vous pouvez me suivre si vous m'appréciez. Ça fera plaisir à ma grand-mère, je lui ferai une capture d'écran, comme d'habitude. Bonjour, merci, et puis je vous dis à
À tout à l'heure.